Depuis la création de Dimogestion 1995, nous avons organisé cette entreprise en pôle d'expertise. Aujourd'hui, nous avons 7 activités organisées de l'équipe commerciale en passant par les consultants, les équipes support et les équipes développement organisées en business unit homogène. Ces 7 activités aujourd'hui sont représentées dans 2 métiers, le métier d'éditeur, donc c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, et l'autre partie où nous sommes intégrateurs, distributeurs d'un certain nombre d'éditeurs français et internationaux. Alors ces éditions que nous faisons depuis l'origine, depuis 1995, ont débuté tout d'abord avec une solution qui s'appelle GEC, Génération d'écriture comptable. Donc cette solution qui a été co-construite avec le groupe Michelin, aujourd'hui c'est plus de 1000 clients. L'édition de Progiciel, ça a été aussi la réussite Nautilus. Nautilus qui est aujourd'hui la première solution, je dirais en Europe c'est sûr, capable de couvrir la gestion de l'ensemble des frais engagés pour un collaborateur. Donc ça va de l'ordre de mission, en passant par les notes de frais. Et puis on a complété ces dernières années par 2 sujets complémentaires qui sont les sujets gestion de la téléphonie portable, à la fois la gestion du matériel mais aussi des consommations téléphoniques. Et puis le dernier sujet qui est la gestion du parc automobile. Voilà. Et donc avec l'ensemble de ces prix, aujourd'hui on peut dire qu'on a une offre unique, leader en Europe. L'édition, c'est aussi une troisième solution, une solution GMAO qui a été le fruit de 3 rachats d'entreprises successives. La première était en 2002, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, Guillaume. Et puis 2 autres acquisitions. Aujourd'hui, c'est plus de 2200 clients sur cette activité, une activité qui est très fortement liée à l'international. Plus de 40% de notre activité est aujourd'hui en dehors de France. Et puis la dernière petite acquisition que nous avons faite, quand je dis petite, c'est que l'entreprise était petite et elle est en train de progresser fortement il y a 3 ans, une activité dans le domaine du CRM pour PME, associations, écoles, la solution Yellowbox. Ça c'est le pôle édition, 50% de nos activités, et puis le pôle intégration où on va retrouver les métiers de gestion de trésorerie qui est notre métier d'origine. Voilà. Quand on a créé Dimogestion 95, on vendait des solutions, on mettait en place des solutions de gestion de trésorerie d'entreprise. Et puis très rapidement, à un rythme d'à peu près tous les 2 ans, on a lancé des activités. L'activité qui ensuite a fortement développé son chiffre d'affaires, c'est l'activité BI, Business Intelligence Décisionnelle, qui permet de mettre en place des indicateurs de pilotage. Alors le rétroviseur dans l'entreprise, à savoir les chiffres passés, et puis je dirais tout ce qui va concerner la simulation, à savoir les budgets, simulation coût de revient, avec des outils de pilotage du futur. Ces dernières années, les tendances très fortes, la dématérialisation nous a conduit à créer là encore une équipe d'expertise dans le domaine de la dématérialisation, où là on a aujourd'hui plus de 100 clients qui utilisent nos solutions, qui sont des solutions leaders mondiales, qui sont Ritsoft et Basware. Ritsoft pour la dématérialisation du document facture et Basware pour le workflow qui va amener, je dirais, aux bons utilisateurs les capacités de pouvoir valider la facture fournisseur. Voilà, plus de 100 projets à ce jour et c'est une activité en très 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 forte croissance. Alors toujours activité d'actualité. Malheureusement, cette foutue crise là, qui nous lâche plus depuis des années, nous amène aussi dans les entreprises à être très performants en matière de recouvrement de créances clients. Donc depuis maintenant 2 ans, nous distribuons une solution canadienne qui est Cash on Time et qui permet d'optimiser le recouvrement des créances clients. L'activité CRM, ce n'est pas seulement notre activité d'éditeur, c'est aussi une activité où nous sommes intégrateurs d'une solution américaine qui est SalesLogix. Voilà. Et cette solution est plutôt, je dirais, sur les ETI et les plus grands groupes. Voilà, très belle solution. Et puis j'espère ne rien oublier, si la dernière activité qui est aussi une activité en croissance, qui est l'activité demande de congé. Donc c'est une micro-activité au sein d'Imo, mais on a trouvé notre marché. Il y a encore beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui valident les congés papier. J'étais encore dans une très grande entreprise la semaine dernière à Paris, 1700 collaborateurs en France et 1700 papiers qui, tous les jours, sont transmis de bureau en bureau pour valider les congés. Je crois qu'aujourd'hui, à l'ère de la dématérialisation, on peut faire beaucoup mieux que ça. Guillaume. Oui, Jean-Paul. Je peux te faire une confidence? Oh, discret, alors. Hein. Ouais, je te voyais pas aussi musclé sous ton costume. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, derrière le patron se cache un bûcheron randonneur. Donc, je suis arrivé une semaine, j'ai perdu 2 kilos là, j'ai pris 1 kilo de chaque côté. Alors la vision 2017, bah, ce qui était l'an dernier, on en a longtemps parlé. On a mis à contribution l'ensemble des collaborateurs de Dimogestion,
un panel de clients représentant nos clients, un panel de partenaires, de fournisseurs, pour arriver, mais vous en souvenez, ceux qui étaient l'an dernier, à des objectifs pour 2017 de progression, de doubler au bout de 5 ans, et tout en gardant, bien sûr, nos valeurs essentielles. Alors, où en sommes-nous ? Le chemin qui est parcouru, bah déjà, on avait dit qu'on déménagerait, hein, vous l'avez entendu. Eh bien, ce déménagement est acté pour mars 2015. On a déjà fait le trou, et les grues sont là. Et si vous passez à côté de Limonest au Puy d'Or, eh bien, vous verrez des murs en béton qui sont en train de grimper. Et on espère qu'on y sera l'année prochaine. Ensuite, la poursuite du développement à l'international, eh bien, on avait dit qu'on ouvrirait des bureaux, mais en effet, c'était fait pour compléter l'Espagne, en Italie et à Montréal. Et bien sûr, on s'appuie sur un bon nombre de partenaires qui, d'ailleurs, au-delà de la France, on est allé aux États-Unis, enfin, des partenaires qui sont en Inde, qui sont à Singapour, qui sont, enfin, Jean-Paul est plus au courant que moi. Et c'est vrai qu'on a eu le plaisir de les inviter à 3 jours de formation. Donc, un certain nombre sont parmi nous. Alors, on va vous demander de vous lever, les partenaires. Voilà, et puis à la salle de vous applaudir. Please wake up. Alors, depuis lundi, nous avons réuni, lundi, mardi, mercredi, nous avons réuni 52 partenaires, donc sur l'activité GMAO, 52 partenaires qui viennent de 17 pays. Super. Donc le chemin est en cours. Bien sûr, la taille fait que nous devons faire évoluer aussi notre gouvernance. Donc pour garder de la proximité avec les clients, eh bien on a organisé un COMEX et avec un patron effectif par activité, hein, donc sur chacune des lignes de produits. Alors c'est en cours, certaines lignes de produits ont leur patron, d'autres c'est encore un des dirigeants du fondateur qui accompagne, Jean-Paul, Christophe Gard ou moi-même. Et par ailleurs, il fallait qu'on organise notre système d'information. Vous connaissez l'histoire du cordonnier, hein, bien entendu. Et donc nous avons choisi la solution Acuiteo pour nous accompagner dans l'ERP de société de service qui est en train de se mettre en œuvre. Parfois avec quelques problèmes, mais qui se résolvent au fur et à mesure. Enfin, vous avez tous connu ça quand vous mettiez en place des systèmes d'information. Alors, la vision 2017 nous a amené aussi à décider de poursuivre le lancement d'activités et la création d'innovations. Alors, il se trouve qu'on a des clients dont vous faites partie qui sont exceptionnels puisque beaucoup des idées viennent de vous. Voilà. Alors, je lance un appel. D'ailleurs, s'il y a dans cette salle eh bien, des clients qui auraient des idées de création de logiciels ou de services, eh bien, écoutez, on est tout à fait à votre écoute, puisque je citais tout à l'heure le cas de Michelin en 95 avec l'offre GEC qui aujourd'hui a plus de 1000 clients en Europe. Eh bien, ce fut le cas avec le groupe Adeco dans le cas d'une solution qui s'appelle GEC Lettrage. Eh bien, ces dernières années, et notamment en 2013, nous avons lancé 4 nouvelles activités, 4 nouvelles solutions. La première est Dimo Pouvoir. Dimo Pouvoir est une solution qui est dédiée aux groupes qui ont un nombre de filiales et de signataires dans ces filiales relativement important. Donc ça permet de gérer effectivement les droits et autorisations de signature et d'engagement des mandataires dans les différentes entités. Voilà. Et ce produit a été créé avec 2 clients. Ensuite, cette année 2013, nous avons lancé une nouvelle activité, celle que j'évoquais tout à l'heure en parlant de Nautilus et Nautilus Funfleet, la gestion du matériel donc affecté aux collaborateurs et puis l'ensemble des factures récupérées de SFR et autres fournisseurs de téléphonie à des fins effectivement d'affectation de, on va le dire comme ça, plus positif, d'affectation de la bonne ligne à la bonne personne, hein, tout simplement, puis contrôler au passage. Voilà. Troisième innovation, on a lancé donc la refonte du produit GEC que nous avions créé avec Michelin en 95. Et donc GEC va être lancé officiellement aujourd'hui, un produit complètement refondu qui s'appelle GEC Vision. Donc vous aurez l'occasion à partir de 14h30, lors d'un 20 minutes pour convaincre, de pouvoir constater les travaux qui ont été réalisés conjointement donc avec nos équipes et certains clients. Et puis enfin, une innovation dans le domaine du voyage. Vraiment une innovation extrêmement forte qui va donner beaucoup de liberté à l'ensemble de nos clients. C'est une solution que nous avons voulu avec un certain nombre de clients qui est Travel Hub. En fait, c'est un multi-connecteur agence de voyage qui vous permet de vous connecter non seulement à votre agence traditionnelle, mais aussi à d'autres services liés au monde du voyage. La liberté avant tout. Alors, je reviens sur l'annonce préalable. Si vous avez une bonne idée, on est prêt
à l'écouter et on est prêt à regarder avec vous s'il n'y a pas un sujet pour nous, en tout cas pour vous et pour nous. Alors, est-ce qu'on a connu des galères, Guillaume ? Je crois qu'on va mettre, on va vous mettre dans des confidences. On a connu ces dernières années quelques galères et on voulait les partager avec vous. Alors, Guillaume, est-ce que tu te rappelles de notre première croissance externe ? Oh oui. Oh, c'était un ami d'amis. Alors, on n'a pas vraiment étudié. On y est allé la fleur au fusil, pas de due diligence, pas de clause, comment ça s'appelle ? Une garantie de passif. Non. On y est allé vraiment comme ça. On a fait le chèque, on a pris, et puis whoop, un peu de surprise quand même. Un peu de surprise. Quelques surprises. Alors, quelques surprises. Bon, on s'en est sorti, hein, bien heureusement. Et ça ne nous a pas empêché, bien au contraire, de poursuivre les acquisitions, puisque depuis la création, on a fait 5 acquisitions, et les 4 autres se sont très bien passées. Très, très bien passées humainement. Les équipes, pour la plupart, sont restées, et on a développé de belles synergies avec les autres métiers. C'est vrai, et accompagné par des experts dans la reprise de société aussi. Mais on a su mettre aussi des synergies telles que 1 plus 1 égale bien 3 et pas 1 plus 1 égale 1. Ouais. Alors après le rachat d'entreprise, on s'est essayé à l'international il y a 8 ans. Alors là encore, on a pris un expert pour le coup, enfin en tout cas sur son site internet, c'était marqué expert en développement international. Cabinet de conseil. Ah, on ne citera pas bien évidemment le nom, petite société. On commence par... Non. Guillaume, si vous pas là pour demander, faire... je pourrais vous non, dire. Non, surtout pas. Guillaume, s'il te plaît. J'ai du mal quelquefois. Non, Guillaume, c'est ton côté rebelle. Alors, ça non, termine on par citera... ex comme export. Non. Voilà, on ne citera pas. Donc, les bons conseils il y a 8 ans, c'était... Vous savez, l'international, vous ne connaissez pas. Mais non, effectivement, on ne connaissait pas. Il faut débuter 5 pays à la fois. Ah bon ? Donc, on a débuté 5 pays à la fois. Enfin, résultats ont été... Surtout experts pour aller chercher des subventions. Voilà, c'est ça. Qui l'intéressait, lui. Voilà. Donc, on a débuté 5 pays, puis les résultats ont été bien, bien pauvres, puisqu'on s'est dit, il faut absolument arrêter l'export, c'est pas pour nous. Zéro vente. Je te confirme. Mais heureusement, on a su analyser... On a écouté d'autres avis, d'autres conseils. Et puis, lors d'une croissance externe, on a repris aussi E-Tech International avec une équipe qui était déjà dédiée à l'export. Et que Jean-Paul a pris sous sa coupe, a fédéré, a animé. Et là, vous voyez le résultat, la résultante. Si on prend E-Tech qui était sur la GMAO, alors on doit reproduire cette belle performance sur d'autres outils. Mais pour l'instant, déjà, sur la GMAO, 40% de notre activité est faite à l'export. C'est quand même une bonne performance. Alors dans les plans galères aussi, c'est les lancements de produits. C'est vrai qu'on en a lancé un certain nombre que vous connaissez, qu'on a cité, puis il y en a un certain nombre que vous ne connaissez pas. Non. Parce que ça n'a pas marché et on l'a essayé. Et donc c'est un produit, par exemple, qui s'appelait BuyPro, qu'on a fait avec un client. C'était du sourcing ou de l'analyse, etc. Puis en SRM, acronyme qui signifie Supplier Relationship Management. Et derrière, on est resté avec ce client. Et bon, on a arrêté et puis ce client a trouvé un autre produit. Mais ça ne nous a pas empêché quand même de lancer, bien sûr, des activités qui, pour le coup, fonctionnent très bien. Donc, et pour rester sur la thématique de la gestion des fournisseurs, toute l'activité dématérialisation et tout ce qui est en amont, le purchase to pay, et bien ça fonctionne très très bien. Mais on peut dire que pratiquement tous les lancements ont réussi, hormis un ou deux échecs. On a essayé de trouver le deuxième, mais on ne l'a pas trouvé. Parce que si on cherche bien, je pourrais t'en rappeler. Ouais. Ah oui. Nice. Tendance à oublier quand même. Bon. Hein. On voit plutôt les victoires. Et c'est vrai qu'ensuite, on capitalise et on avance. Alors, l'autre difficulté dans nos métiers, c'est les choix technologiques. Ça bouge très très vite dans l'environnement, dans le contexte autour de nous. Et par exemple, pour la réécriture de GEC, on était parti sur une technologie qui semblait tout à fait intéressante parce qu'un mix entre client-serveur et un mix entre web, ça faisait bien tout, papa, maman, etc. Puis finalement, l'éditeur avec lequel on était travaillé a arrêté cette techno. Et donc, heureusement, on était réactif. Je crois que c'est ça être entrepreneur, c'est savoir vite aussi ne pas s'enfoncer trop loin et faire des erreurs qui soient acceptables. Et puis ensuite, de savoir rebondir. On a rebondi en HTML5, qui est une techno aussi qui permet tout ça de Microsoft et on a juste perdu 3-4 mois. Bon, 3-4 mois, sur l'échelle d'un produit, c'est acceptable. Voilà, on vous demande d'être totalement discret par rapport à ces expériences qui sont plutôt dans la catégorie échec. Mais je crois que
comme on le soulignait, je pense qu'on s'est, grâce à ces expériences, on s'est quand même bien enrichi. Voilà. Alors pour en revenir à la journée, c'est une journée historique pour nous, puisque c'est la plus grosse affluence que nous ayons jamais eue. Nous allons avoir plus de 1300 personnes sur la journée. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très très important pour nous. Toutes les équipes ont été mobilisées, les équipes marketing notamment, les équipes commerciales chez nous, les équipes consulting. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième, c'est le nombre de clients témoins. Voilà, on va dépasser les 30 clients sur la journée qui vont venir faire part de leur expérience. Donc ça aussi, si vous êtes aussi nombreux, c'est parce que vous venez assister à une journée, alors d'abord une journée plutôt apaisante, hein, une journée qui permet de prendre du recul par rapport à ses activités et notamment le stress que nous vivons tous actuellement. Je ferai juste une petite parenthèse après sur ce sujet. Donc plus de 30 clients qui participent à la journée. L'année dernière, nous avions eu un grand témoin, Xavier Fontanet, qui avait été tout à fait exceptionnel, interrogé par Corinne, qui nous laisse un très très bon souvenir. Et puis cette année, donc, nous allons avoir Pierre Krins. Alors juste la petite parenthèse que je souhaitais faire, Guillaume ne l'a pas forcément souligné très fort, mais on a eu une année 2013, comme vous l'avez vu tout à l'heure à travers les chiffres, exceptionnels, puisqu'on a fait 17% de croissance. Bah, depuis janvier, je dois dire qu'on vit une période un peu bizarre, c'est-à-dire que tout le monde s'est lâché fin décembre. Je pense que la visibilité était là, puisqu'il restait quelques jours, quelques semaines pour prendre des décisions. Et puis là, bah, tout le monde est sur le frein à main. Voilà, tout le monde sur le frein à main, le frein tout court. Alors, le simple message qu'il faudrait peut-être qu'on se passe tous, c'est accélérons les prises de décision. Accélérons nos prises de décision. Si on accélère nos prises de décision, je suis convaincu que la machine va redémarrer. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a freiné des décisions d'investissement parce que nos clients freinent. Donc tous, si on se regarde tous, eh bien, à un moment donné, on ne va pas avancer. Et je pense qu'il est important, mais ça, il y a quand même quelques indicateurs positifs qui pointent leur nez, eh bien, accélérons tous collectivement nos décisions et je suis convaincu que la machine va s'emballer.